Donc je suis divorcée, j'ai élevé deux enfants. Je travaille donc dans la restauration depuis 1982. J'ai été amenée à la fin de mes études à travailler en restauration en rencontrant un homme lui-même cuisinier. C'est ce qui m'a amenée à cette profession. Et très jeune, je me suis installée avec lui. On a pris une affaire et au bout de 5-6 ans de vie commune, professionnelle et personnelle, nous nous sommes séparés et on a volé chacun de notre côté, de nos propres ailes. Voilà, donc j'ai repris une affaire seule après. Actuellement, j'exploite le 128 à Olivet et j'ai repris une petite affaire dans le centre-ville d'Olivet qui s'appelle l'Initiale avec des spécialités burger, alors que le 128 c'est plutôt une cuisine traditionnelle avec des spécialités italiennes. Étant une femme, exploiter une affaire de restauration, c'est déjà un peu audacieux. Parce que c'est quand même un métier où les hommes prédominent. Et de prendre une deuxième affaire, ça l'a encore été plus. Et il a fallu faire preuve d'audace pour pouvoir mener de front ces deux affaires, pour pouvoir trouver le thème de chacune, trouver le personnel adéquate pour chacune d'entre elles et c'est une remise en question tous les jours. Très souvent quand les clients demandent le patron et qu'on leur dit c'est pas un patron, c'est une patronne, ils sont toujours un petit peu surpris de voir dans ce domaine une femme à la tête d'une affaire avec une structure quand même moyenne. L'atout principal reste la disponibilité. C'est vrai que quand je me suis séparée de mon mari, mes enfants étaient petits. J'ai eu la chance d'avoir des parents à proximité qui ont pu pallier à l'éducation de mes enfants. Mais dans notre métier, ce qui prédomine, c'est la disponibilité, disponible pour le client, disponible pour les salariés. Voilà, faut être vraiment présente sur tous les fronts. Enfin, ce qui me tiendra à cœur aujourd'hui, c'est de développer l'épicerie fine que j'ai ouverte depuis 9 mois maintenant. Donc c'est un rayon dans lequel on propose, en plus de la restauration, tous les produits que nous cuisinons au 128. Et puis, pour ma seconde affaire, on développe un salon de thé. C'est encore un petit peu inconnu dans Olivet. Donc, on essaie d'aller au-devant de la clientèle en contactant des associations pour leur proposer l'activité salon de thé au sein d'Olivet. Si une amie hésitait à créer son entreprise, je lui dirais fonce. Il n'y a rien de plus beau que de se réaliser dans son affaire personnelle. Après, tout dépend le profil de son ami, parce qu'il faut vraiment être disponible. Mais voilà, je conseillerais aux femmes de foncer.